Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bambou. Donc aujourd'hui c'est vendredi, nous sommes le vendredi 10, donc après les jours fériés. Écoutez, je vais vous emmener encore aujourd'hui avec moi dans ma petite journée. Hein. J'ai pas filmé hier parce que hier je n'avais plus de batterie. C'était pas hier, c'était avant-hier, j'avais plus de batterie, il en restait que 6%. Donc du coup, j'ai pas filmé ma séance malheureusement. Et puis hier, je me suis fait une journée off sport. Donc j'ai pas du tout été à la salle, j'ai juste rien fait à la maison. J'ai mangé, j'ai lu mon petit livre et c'est tout. Donc c'était pas hyper intéressant pour vous de voir ça. Donc aujourd'hui, je vais me faire mon petit déjeuner puisque je vais aller à la salle après 10h. Parce que c'est chill, hein. Quand on travaille pas, on se presse pas à aller à la salle à 6h, hein. Non. Donc je vais prendre mon petit déj, je pense que je vais me faire un porridge, ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé. Si vous entendez du bruit, c'est Kinaï qui est en train de boire son eau. Donc aujourd'hui je vais faire ça, il faut que je renvoie mon colis de Chine. Parce que vous savez, pour ceux qui ont suivi en tout cas, j'ai fait un haul et en fait j'ai pas gardé tous les vêtements. Mais il faut absolument que j'envoie le colis aujourd'hui, j'ai déjà imprimé les étiquettes. J'ai plus qu'à aller en point relais, boum. Donc voilà, donc programme de la journée, manger, aller à la salle de sport, envoyer mon colis Chine. Et puis ensuite, aller me balader avec Kinaï, en plus il va faire super beau. Voilà, un petit programme très simple. Ah, et si j'ai la motivation aussi, il faut que je lave ma voiture. Parce que ma voiture est dans un état, c'est la catastrophe. Il y a eu le pollen et tout, il y a carrément de la mousse qui pousse dessus. Tellement je la lave pas cette voiture. J'avoue, c'est ma voiture d'étudiante, je fais pas vraiment attention à elle, je fais même pas de réparation. Bref. Allez, je coupe ici et je vous emmène avec moi avec mon petit déj. Avant toute chose, on n'oublie pas son grand verre d'eau. J'avoue que j'oublie jamais mon grand verre d'eau. Ça permet vraiment de commencer ma journée. J'ai décidé de mettre juste une demi-banane parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans le bol. Je sais pas si vous vous rendez compte, la taille du bol, il est presque rempli de porridge. Donc une demi-banane, ça va être largement suffisant pour un petit déjeuner avant workout. Ça va me permettre, pardon, d'avoir déjà beaucoup d'énergie et d'être full pendant un long moment dans la journée. Donc j'ai rajouté avec ça mes fameux fruits rouges que j'achète chez Picard. J'ai aussi donc rajouté, cela vous l'aviez pas connu, enfin vous l'avez pas vu dans mes vlogs, c'est une nouvelle, un nouveau beurre de cacahuète, enfin j'ai voulu tester. Et là en fait on est sur du 100% cacahuète, donc il n'y a pas de sel, il n'y a rien d'autre que de la cacahuète. Alors j'aime bien, ça a fort goût de cacahuète, mais j'aime bien quand il y a un petit côté un peu salé. Donc là je pense que c'est ce qui me manque en fait, d'avoir une petite pointe de sel. Je trouve que ça,
ça donne meilleur goût au beurre de cacahuète, même si j'adore le beurre de cacahuète raw, on va dire. Et aussi, j'ai rajouté donc ce sirop d'érable là parce que j'avais envie d'avoir un petit goût sucré et un petit goût subtil de sirop d'érable que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ah oui, et puis j'ai rajouté aussi mes graines de chia. Donc ça, c'était un pot de confiture. J'ai rajouté des graines de chia pour que ça soit aussi bien plus consistant et dans mon bol et dans mon ventre. Voilà, en tout cas, bon appétit. Ne montre pas tes fesses. Ne montre pas tes fesses, mon chien. Ne montre pas tes fesses. Ça va le chien? Ça va mon chien? Thank you.
Voilà. Donc je suis en tenue, il va être, il est un peu plus de 11h là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la salle, mais j'ai bon espoir. Je me dis, il fait pas très beau, enfin, pardon, n'importe quoi. Il fait super beau, donc potentiellement les gens seront partis à la plage ou partis en vacances tout simplement. Donc vous connaissez déjà cette tenue, hein, j'ai pas changé. J'aimerais bien avoir des nouvelles tenues. Mais bon, la raison fait que... j'ai encore cela, donc autant les utiliser encore jusqu'à un moment. Et puis peut-être, je sais pas, peut-être en fin d'année, je me ferai un petit plaisir pour Noël. Donc voilà, je vais partir, je vais mettre mes chaussures, je vais mettre ma montre, et je vais me brosser les dents quand même avant, et me mettre un petit coup de déo sous les aisselles. Et puis let's go, je vous emmène avec moi. Et voilà, c'est parti! Allez, vous connaissez la chanson maintenant. Je vais commenter donc ma séance de sport. Donc j'espère que ce format vous plaira. J'ai mis en accéléré, donc j'ai mis deux profils, on va dire, d'angle de caméra. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez ce format-là ou si vous préférez un format plus court. Voilà, je trouvais que c'était plutôt intéressant de vous mettre toute ma séance en accéléré, sachant que je fais 3 rounds à chaque fois. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc du coup, je commence toujours mes séances de sport par mon habituel échauffement. Donc cet échauffement, en général, il dure 5 minutes. Ça peut durer plus, ça peut durer moins, ça dépend vraiment de ce que je vais travailler. Mais là, étant donné que je vais faire du body heat, donc tous mes muscles vont être sollicités et toutes les parties de mon corps aussi. Donc voilà, je fais d'abord, je commence d'abord par le début, par le n'importe quoi. Je commence d'abord par le haut du corps et puis ensuite je continue par le bas. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à suivre cette séance avec moi. Peut-être que vous êtes en train de le faire derrière votre écran. En tout cas, si vous le faites, bon courage à vous. Hein. Bon courage. Moi, vous allez voir que je vais pas mal galérer. Hein. Je vais pas mal galérer. Et donc, du coup, pour ceux qui se posent la question, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, mais là, j'y suis allée donc à environ 11h30 de la journée. Il y avait pas mal de monde dans la salle et j'ai essayé de prendre des angles de vue où on voit pas trop les gens, mais malheureusement c'est un peu compliqué. Donc j'espère que ça sera pas trop gênant pour vous dans cette vidéo, et puis j'espère que personne ne va tomber sur cette vidéo, enfin personne va se reconnaître. Donc du coup, je commence mon premier round. Donc comme je vous ai dit, je vous mets toute ma séance de... Enfin, tout mon premier round. Et j'en mets deux, avec deux angles de vue différents. Donc voilà, donc c'est une minute. Une minute, on se dit dans une vie, c'est pas énorme. Mais quand on fait du sport et des répétitions, mais vraiment, c'est l'enfer. C'est dur. C'est super dur. Donc du coup, en poids, pour les bras, je prends 3, j'arrive pas à augmenter, j'avais essayé avec 4, mais j'ai vraiment pas mal de mal. Là, vous voyez sur les squats, j'ai pris un kilo de 8 kilos, et j'étais déjà, franchement, je souffrais. Hein. Donc à savoir que là, c'était la reprise du sport. J'avais fait du sport quand je suis partie en Martinique et en Guadeloupe. D'ailleurs, il faut absolument que je vous montre les vidéos pour que vous puissiez voir. Mais j'ai pas pu faire de sport avec des poids, donc j'avais tout fait au poids du corps. Et c'est pas la même. Hein. Donc là, cet exercice-là, c'est pareil. Là, j'ai un problème avec mes poignets. Donc comme pour mes genoux, en fait, j'ai les poignets assez fragiles. Je pense qu'il faut que je les travaille. Et peut-être aussi que le fait d'avoir mis mes mains dans cette position avec les doigts, tu sais, qui sortent du tapis, peut-être que c'est pas optimal. En tout cas, j'ai toujours des douleurs aux poignets et c'est un peu insupportable. Si jamais vous avez des astuces, ben je prends. Hein.
D'ailleurs, les astuces que vous m'aviez données sur mes autres vidéos, ça a bien fonctionné. J'ai moins mal au genou. Donc, je suppose que c'est en fonction de comment je mets mon genou. Et peut-être que ça commence aussi à se muscler. Donc, merci beaucoup. Et c'est reparti. Donc là, c'est le même round, mais je vous ai juste changé l'angle de caméra. je suis pas très très bonne en cadrage, vous verrez bien. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous partager mon expérience. Et d'ailleurs, je vous ai pas mis les noms des exercices, j'aurais peut-être dû, bah vous me direz si jamais vous avez besoin des noms. Mais après c'est en anglais puisque mon programme est en anglais, donc je sais pas si ça pourrait vous aider ou pas que je les mette. N'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. D'ailleurs prochainement, donc là du coup je vais monter toutes mes vidéos que j'ai pas eu le temps de monter, enfin que j'ai pas eu le temps. À vrai dire, j'ai procrastiné. La procrastination, ce n'est pas bien. Mais ouais, je sais pas, j'étais pas motivée à le faire. Donc je suis vraiment désolée pour celles et ceux qui ont attendu. Je vais me rattraper dans les semaines qui suivent. Là, c'est pareil, là, sur le high knee. Là, tu vois, je suis censée faire des levées de jambes. Mais en fait, je fais presque du surplace, quoi. Je m'en suis rendu compte juste à l'instant. Pourtant, dans l'effort, j'ai l'impression de monter bien haut les genoux. Mais il va falloir que je modifie ça, parce que ça va pas trop, là. Donc ça c'est le round numéro 2, donc les exercices sont différents et d'ailleurs vous remarquerez que le programme, donc les exercices sont assez similaires ils sont assez similaires mais il y a quand même pas mal de variantes. Mais tu vois sur le body hit j'ai deux levées de poids et ensuite je suis au sol. Plus quelque chose avec des répétitions, tu vois, comme le cactus, le lever de jambes. Voilà. Vous remarquerez, je positionne bien mieux mes jambes ici. Hein. Enfin, j'espère que je le fais bien, mais il me semble que je le fais mieux que la première séance. Enfin, que les premières séances. Et du coup, comme je vous le dis dans le titre, donc les rounds, c'est une fois, une minute fois 4 exercices à multiplier par 3. Donc ça fait 12 minutes. Mais là, bon, évidemment, je mets beaucoup plus que 12 minutes parce que déjà, je fais des pauses, parce que c'est très dur. Donc je fais des micro-pauses de peut-être quelques secondes, mais ça rajoute un peu de temps. Et en plus, vu que je vous ai filmé la séance, ça a pris un peu plus de temps. Donc, je pense que j'ai dû mettre grosso modo... normalement, c'est 12 minutes. Peut-être que j'ai dû mettre 15 minutes à faire chaque round. Donc ça, c'est le même round, mais avec un angle différent. En tout cas, je le dis et je le redis, le body hit, c'est dur. C'est dur si jamais vous faites ce type de séance. Je vous conseille vraiment de prendre un petit déjeuner ou en tout cas une collation avant d'aller au sport. Ou prendre quelque chose de sucré pendant votre séance parce que vraiment c'est énergivore.
Et si ton corps n'a pas de ressources, tu risques de tomber dans les pommes ou en tout cas de faire un petit malaise. C'est vraiment très très intense. Il y a normalement très peu de pauses. Donc vraiment, mange avant ou prends quelque chose de sucré pendant ta séance. Moi d'ailleurs, je mange avant et pendant ma séance, en général, je prends de l'eau citronnée ou avec du citron, du sirop de citron. Et ça m'aide à avoir des coups de boost. D'ailleurs, si tu as des astuces, toi, moi j'ai trouvé ça comme astuce, mais si tu as des astuces, bah, quelle est ton astuce? Est-ce que ça fonctionne pour toi ou est-ce que tu y vas à jeun? Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partent à la salle à jeun. Moi, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai du mal avec ça. J'ai l'impression de souffrir. Donc, bah, dis-moi si toi, tu y vas à jeun ou pas. Et ouais, c'est dur. Hein. Et le dernier round, donc à faire 3 fois. Donc en général, quand tu as fait les 2 premiers rounds qui étaient difficiles, celui-là, il est difficile, mais vu que tu as fait le plus dur et que tu sais qu'il te reste que ça, je pense que c'est psychologique, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression que le dernier round est plus facile que les 2 premiers. Donc... Et même pour mes séances de sport... Ah, quoique, non, je dis n'importe quoi. Non, pour mes séances de musculation classique, j'avoue que c'est dur jusqu'au bout. Hein. Mais en tout cas, pour le full body hit, j'ai toujours l'impression que la dernière série d'exercices est toujours plus facile que les 2 précédentes. Pour les exercices qui ont l'air faciles, en fait, il faut pas dire que c'est facile parce qu'en fait, tout mon corps est contracté, mes abdos, mes fessiers, mes quadriceps. J'essaye vraiment de tout contracter, d'être vraiment en pleine conscience de mon corps. Donc, même si ça paraît facile, ce n'est pas si facile. Ok, bon, bah, félicitations, t'as été jusqu'au bout. T'as été jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ce petit format, comme je vous l'ai dit, vous a plu. J'espère qu'il ne vous a pas fait souffrir si jamais vous êtes à la salle avec moi. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager mon quotidien et de vous montrer un peu mon évolution, tant sur ma pratique que sur... sur ma remise en forme, enfin je veux dire, voilà, si j'ai des... pour l'instant j'ai pas encore de résultats notoires, on va dire, parce que j'aime beaucoup manger et on va pas se mentir, avoir une bonne alimentation, ça fait aussi une grosse partie du taf. En tout cas, je vais m'arrêter là pour mes commentaires en off et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, je viens tout juste de terminer ma séance de sport, donc vu qu'à côté il y a un petit marché, enfin un petit magasin, je vais aller faire des petites courses pour que je puisse manger ce midi. Ce midi, je pense que je vais manger du poisson. Je vais voir s'il n'y a pas des petits fruits aussi. Je pense que je vais manger du poisson avec des pâtes et peut-être des tomates cerises.
Ouais, je pense que je vais me faire ça. Et ce sera très bien. Alors du coup, en fruits, il n'y a pas grand-chose. Je vais peut-être me prendre une petite pastèque. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Les fraises, elles sont à combien? Les fraises, elles sont à 3,99€. Je pense que je vais partir sur des fraises. Et des petites framboises. Ça fait toujours l'affaire. En plus, on aime bien le prix. Allez, je vais partir sur ça. Poisson, il n'y a pas grand chose. Il y a du dos de cabillaud et du lieu noir. Il y a aussi du saumon, mais j'ai pas envie de saumon là. Je pense que je vais partir sur les dos de cabillaud. En plus, ça reste quand même un peu cher, mais ils sont à 5€. Donc je vais partir dessus. Alors, comme je vous ai dit, il est 14h et je vais me faire à manger. Donc pour ça, j'ai acheté des filets de cabillaud. C'est vendredi, donc c'est le jour du poisson. Non, je rigole, je fais pas du tout ça, mais j'ai envie de poisson. Avec ça, je vais manger des tomates cerises dans des pâtes. Je pense que je vais me faire des spaghettis. Et en dessert, je vais me prendre des fraises. Et puis, je me suis aussi pris des framboises parce que j'adore ça. Peut-être avec un petit bout de fromage ou alors un petit yaourt. Je vais voir en fonction de mon mood. En tout cas, je vais faire ça et puis on se retrouve de suite. Ça me paraît pas mal. Ma vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ma séance de sport ne vous aura pas fait trop souffrir. Moi, je peux vous assurer que c'était vraiment pas facile aujourd'hui. C'était vraiment très dur, ça fait très très longtemps que j'avais... Enfin, très très longtemps. Ça fait depuis la Martinique que j'avais pas fait du body heat aussi intense.
Et du coup, j'ai senti que mon corps en avait besoin et que mes ressources, en fait, avaient été perdues. Donc voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes encore de plus nombreux et de plus en plus nombreuses à me regarder. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je vois quand même des petits changements. Déjà, je le vois dans la prise de poids. Je la vois, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des petits changements. Donc peut-être que vous allez les voir. Moi, j'avoue, je les ai vus en fait dans ma vidéo haul. J'étais un peu choquée d'ailleurs. Je pensais pas que j'avais de si beaux résultats. Donc voilà, on continue le combat. N'hésitez pas à faire ne serait-ce que 5 minutes de marche à la place de prendre la voiture. C'est toujours ça de prix. Ou prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Que certains d'entre vous ont des problèmes de santé peut-être ou autres, ou n'ont pas du tout de motivation, mais c'est très très important et ça va vous faire que du bien. Le plus difficile, c'est de s'y mettre. je peux en dire quelque chose, c'est vraiment très très dur. Enfin, de s'y mettre et de s'y tenir. Ça, c'est vraiment deux choses qui sont très difficiles, mais quand on veut, on peut. Et si la personne que tu regardes le peut, toi aussi tu peux, je crois en toi. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, un très très bon après-midi ou une très bonne soirée, ça dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Salut !